Ouais, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, c'est ma toute première aventure suivie qui débute donc sur Minecraft et j'espère qu'elle vous plaira, pardon. Donc je vais jouer en mode survie, plus d'options. Oui. Allez, on termine. Créer un nouveau monde. Alors, ma première aventure suivie. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Et j'espère que tout simplement mes vidéos vous plaisent. Donc là, hop, j'ai un coffre bonus. On a du bois de chêne, du bois d'acacia, des planches de chêne, trois bâtons, une hache en bois et une pioche en bois. On va faire ça. Hop, ça nous fait 23 et c'est là. Hop là. On va récupérer le coffre. Et les torches. Donc là, ça a l'air d'être une forêt de fleurs. Donc on va plutôt aller vers les montagnes. Donc là, j'ai repéré du charbon, ce qui est très pratique et nous avons une bonne génération. Qu'un seul charbon, c'est pas terrible. Une grotte par ici, mais j'ai pas trop envie de m'enfoncer sous terre pendant le premier jour. J'ai plutôt envie d'explorer un petit peu. Donc on va voir la grotte ici, juste voir qu'est-ce qu'il peut y avoir. Donc on va poser une torche là et une ici. Et ça va être notre maison. Hop, jusqu'à nouvel ordre. Là-bas, j'ai repéré du charbon. On va aller le récupérer. Ça va être un peu galère pour l'avoir, ce charbon. Ben, on va tout simplement faire tac. Voilà, on va reprendre notre bois parce que ce serait bête de l'avoir reçu pour rien. Oh, là-bas, il y a un village de PNJ. Oh putain, on est tombé sur une génération de malades, les gens. On va se régaler. Allez. Donc, là, je filme avec Fraps. Ce début d'épisode est un peu long. Comme tous les débuts d'épisode, Let's Play sur Minecraft, aventure suivie. Là, tu dois récolter le bois, mais moi j'ai choisi le coffre pour pouvoir gagner un peu de temps sur le bois, même si je vais devoir aller en chercher. Et une belle génération, bon ça c'est pas moi qui ai choisi, on est tombé sur la très bonne d'une très bonne génération. Donc là on a un bon filon de charbon, donc ce qui est pas mal. Je vais vous conseiller une aventure suivie qui vient juste de débuter par un youtubeur qui s'appelle LinkBlaze722. Donc je vais vous mettre le lien de sa chaîne dans la description. Le lien de ma chaîne dans la description si vous voulez vous abonner. Et mon Skype, donc mon compte Skype, qui se nomme Oresky Caries. Donc là le charbon on prend tout parce que la nuit va arriver et du coup bah, ça va être galère avec les monstres. Je vais vérifier, je me suis fait mettre en normal parce que sinon c'est plus une aventure très rigolote. Si on se met sans monstres en mode survie, c'est pas très marrant. Donc là-bas, il y a beaucoup de charbon. On va y aller tout de suite. J'ai un peu de roche. J'ai 5 pierres. Juste de quoi me faire
Une pioche ou une épée, mais je récolterai plus tard. Donc, je vais me réfugier dans une montagne avant tout, parce que dans les montagnes, c'est le seul endroit où on peut trouver des émeraudes. On va aller buter les cochons. Donc, j'ai pas précisé, mais c'est le jour 1. Hop, on va s'occuper du poulet. On va se crafter un établi. Tac. Hop. On n'a même pas de quoi se crafter. Je dis n'importe quoi en fait. On n'a pas assez de bâtons. Hop. On va utiliser ces planches-là pour faire des bâtons. Attendez, hein, ce que on va trier un peu tout ça. Charbon, alors ça on met là. Tous les blocs, on va les mettre ici. La bouffe là. Les bâtons ici. Celle-là. Là. Ça. Ici. Tac. Tac. Et tac. On va. Ah oui, oh merde. Voilà, hop, on va s'occuper. J'ai vu du charbon ici. Donc on va casser ce bloc, à mon avis. C'est la fin de notre pioche en bois. Et on va commencer avec une pioche en pierre. Donc voilà, cet épisode va s'arrêter ici. Prochain épisode, on va récolter le charbon, on va aller dans le village là-bas. Et on va commencer un peu à faire fabriquer notre maison. J'espère que ce jour 1 vous aura plu et ciao!